Donc nous sommes de retour parmi les vivants. Donc on a de la chaleur. Par contre il fait combien? Moins 4. C'est un peu la merde. Bon, on s'est reposé un peu. Et c'est ce que je voulais. Ouh, il y a une planche fantôme. Ça on récupérera ça après s'il fait trop froid. On va faire du feu. On va faire du feu. Je voulais en fait dormir un peu exprès pour qu'on ait le temps de faire un bon feu. Donc on va faire ça. D'abord il faut prendre. Je voulais un peu d'endurance en fait pour pouvoir faire un feu et tout ça et qu'on puisse le faire sans problème. Torche, bois, écorche, très bien. Ah non, pas ça. Fagota. Faire du feu. Alors, il y a aussi une chose avec les torches que j'ai expérimenté sur une autre partie parce que je fais d'autres parties en même temps que la principale. Pour faire des tests et tout ça. Et il y a une chose que j'ai pas dite et qui est très très importante. Quand vous allumez une torche, quand vous êtes en train d'allumer une torche comme ce que je viens de faire et tout ça, ne surtout pas... attendez. Ne surtout pas... ne pas finir l'allumage de la torche. C'est-à-dire qu'à chaque fois en fait que vous allez essayer d'allumer une torche, vous allez gratter une allumette. Et si vous le faites d'affilée, vous faites tac tac tac, et bah vous perdez en fait votre allumette à chaque fois. Donc voilà, c'est ça le gros problème. On perd de la vie parce qu'on a froid, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On a 3 degrés, 4 degrés. Okay. On va prendre ça pour augmenter le feu, augmenter la chaleur. 6. Il fait combien? Moins 1. Très bien, on va pouvoir passer en positif. Yes! Ok, on est bon. Ah, c'est embêtant de tanguer. Regardez, je touche à rien, elle va sur le côté gauche. Elle aime bien le côté gauche, apparemment. Elle aime vraiment le côté gauche. On va prendre ça, on va prendre ça. Alors, pour mettre le charbon, il va falloir attendre une trentaine de minutes. Encore 10 minutes. Et après, vous pourrez faire ça. Alors là, on peut faire de l'eau. On va faire de l'eau. Cuir. Très bien. La forge, il va falloir qu'on attende un peu qu'elle monte. Là, il fait assez de chaleur pour nous maintenir. C'est bien. On va faire cuire ça après. Très très bien. On a les loups derrière nous. Tout va bien, donc on va pouvoir les récupérer. Ça on peut le casser, ça va prendre combien de temps? 11 minutes. On va pas le faire. Parce qu'il va falloir qu'on dorme encore un peu. Forge plus 20. Est-ce qu'on peut mettre le charbon? Toujours pas, encore une minute. On va prendre ça. C'est quoi ce bruit? On dirait qu'il y a des bestioles dans les arbres. Très 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 étrange. Voilà, 4 heures, très bien. Voilà, on n'a plus de risque d'hypothermie, ça va très très bien. Donc on a 4 heures de feu. Ah! J'aurais peut-être pas dû mettre ça. Alors, on va peut-être dormir que 2 heures. Et on va voir. Par contre, est-ce que on a pris notre dose? Oui, on a pris notre dose la dernière fois. Donc, il va falloir attendre. 4 heures. On est à 60 degrés. Il faut combien? Il faut 150. Ok, ça marche. Vous voyez qu'il faut 150 degrés. C'est pas 200, c'est 150. Alors, à chaque... je vais voir combien c'est. Je crois que c'est... 40, 40, peut-être 50, peut-être 50. On était à 60, là on monte à 80, on est plus 20. Ouais, c'est plus 20 alors, plus 20. Voilà. Par contre, la durée, oui, c'est long, hein, mais sinon c'est plus 20. Voilà, très bien. Et il nous en faudrait encore un. Et après on mettra que du bois et ça passe.
Très bien. Alors j'ai peur de... Alors, on va dormir 2 heures. On va dormir 2 heures. Voilà. Bon, elle s'est pas remis encore. Elle s'est pas encore totalement remis, donc bon, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça. De l'eau propre à consommer, c'est bon. On peut la prendre. Très bien. Ça non. Ça, cuir. Voilà, 55 minutes, très bien. On va commencer à... Oh, la forge, elle est à 140. On va prendre ça. Voilà, très bien. Maintenant, on va pouvoir travailler. Alors, une heure. Je regarde un peu la vie. La vie, elle... Non, c'est bon, elle descend plus. On est bon. Voilà, c'est parce que je faisais de la viande en même temps. C'est pour ça. Hop, hop. Cuir, viande. Ça, ça met une heure. Donc, on va encore travailler une flèche. Ce qu'il faut faire en premier, c'est les outils, évidemment. Mais bon, là, vu qu'on fait les viandes. Vu qu'on fait les viandes, il faut qu'on boive un peu. Voilà, très bien. Ah, c'est embêtant, hein, ce battement de cœur et tout ça. Je sais, je sais. Hop, hop. De l'eau, on en a un peu trop. Jeter, très bien. On va placer ça comme ça. 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 À l'extérieur, on a Aurore Boréale. Un peu froid. Ok, on est bon. Man, I'm not sure I can carry much more. Ok, ça va, ça va. Le feu il est à 6 heures, ok, c'est bon. Attendez, on va poser ça d'abord. Voilà. Vous avez l'aurore boréale et tout ça. un peu creepy. Très bien. On récupère la viande au maximum pendant qu'on peut. Voilà, très bien. On va pouvoir même en placer une. Je suis en train de faire un peu tout en même temps. J'essaye de me concentrer pour pas faire de la merde. Ok, une heure. Donc on a une heure. On va récupérer ça. On va se goinfrer, hein. On va se goinfrer, hein. Avoir froid, faire attention parce que notre vie elle est toujours très très basse. Voilà, on a encore 3. Non, ça c'est le lapin. On a encore 4 morceaux de viande. Là on a 35 minutes. Truc est très très bien. J'ai envie de récupérer la fourrure. Je sais pas combien de temps. 50 minutes. Ok. Ça on le fera quand il fera. Quand il fera beau, quand il fera moins froid, genre passer une heure à l'extérieur comme ça. Ok, très bien. Ok, très bien. 22 minutes, on est bon, on est bon. Ouais. On commence à épuiser le froid par contre, enfin la chaleur. Oh. Ok. Okay. Du coup, est-ce que ça a récupéré de la viande ou pas? Ça a récupéré, mais on a un petit truc. D'accord, ça marche. Ok, il fait extrêmement froid apparemment. On peut voir. En 16, ok, d'accord. Le vent. I'm gonna need to eat soon. Ok, ok, on est bien, on est bien, on est bien. Tout va bien, tout va bien. Restons cool. On a de l'eau, on a de la viande. Ça, on va le manger. On va se goinfrer, on va se goinfrer, je ne vous le fais pas dire. On a ça. On a tout ça. On va manger. Il va nous falloir de l'eau peut-être.
peut-être de l'eau à la limite. Temps de cuisson, hop. Voilà, très bien. Maintenant, ce qu'on veut faire, j'essaye de réfléchir en même temps, c'est un peu compliqué. Alors on va faire ça, une heure, cuire, très bien, et là on a soif et tout. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais c'est pour me maintenir dans le bon cadre, parce que là il faut être productif, il faut aller vite. Ok, il y a encore 5 heures. On est mourant, faut faire très attention aussi parce qu'on est mourant. Donc ça aussi, ça peut très très mal finir. Okay, très bien. Ah aussi, un truc qu'on va faire, pourquoi je fais beaucoup de nourriture, parce que là en fait on a un feu plus ou moins illimité, parce qu'on va, le faire durer on va le faire extrêmement longtemps. Pardon, excuse-moi, attends. Hop. Oui, choisir, oui. Et du coup... on va pouvoir faire cuire les choses. Et là, on a, bon, on a de la viande là, on a des morceaux là. Et ça va nous monter, en fait, le... la cuisson. Ça va complètement nous monter la cuisson. Donc on en profite. Vous voyez ce qu'on fait ? On fait plein de choses en même temps là. On essaye de survivre, on mange, on fait de la cuisine. C'est un peu tout en même temps là. Donc je me concentre pour pas faire de la merde. Ok, ça c'est la 800. Très bien, cuire. Cuire, très bien. Est-ce que... ok, il fait très froid par contre. Moins 31. Est-ce que je peux quand même... Oh la vache. Ok, très bien. Très bien. On a encore tout ça de bois. Et on a 6 heures et on a encore... là on peut en casser, là on a des planches. On a les caisses et on a de la scie, des scies. Enfin on a du métal. Si on veut couper, là il y a rien. Il okay, y a de la nourriture là aussi. Oh, j'avais oublié, oui, il y a de la nourriture encore là. Très bien. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien. Il y a juste de l'eau à faire, on va dire. Par contre, le métal, faut pas que j'utilise tout pour faire des flèches. Ça, ça serait embêtant. Ça me ferait un peu chier. On a encore 15, ça va. On a encore 15, très bien. 35 minutes, on va faire encore des flèches. Elle est encore en bon état? Ouais, non, ça va, elle est encore en bon état. Elle ne veut pas dormir encore. Enfin, elle est fatiguée, mais on peut encore patienter. Ok, très bien. Ça, on prend. Ça, on pose. Voilà. On va faire de l'eau. Man, all I can think about is food. On va faire de l'eau, j'ai dit. Voilà, donc là c'est 2 heures. Donc 2 heures. Là c'est 3 heures, là c'est 4 heures. Est-ce qu'on peut faire 3 heures d'affilée? J'ai peur qu'elle soit trop fatiguée. Oh, I could eat a horse. Ok, c'était vraiment con de faire ça. Tout va bien. Théo Raichi. Ok, on a perdu toute l'eau, c'est cool. Tout va bien, tout va bien. Là, on est vraiment mourant là-bas. Ok, cool. Oh la vache. Monte, 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 monte. C'est abusé. Ok, ok. Tombe pas dans les pommes. Pas tout, pas tout de suite, pas tout de suite. C'était vraiment con ce que je viens de faire. C'est vraiment extrêmement con. C'est pas grave, on est hardcore. On est hardcore, maintenant on dort. On a mis du bois, ça va, on peut dormir 5 heures.
Oh la vache. Ça stresse, hein, ça stresse tout ça. Ok, on a encore une heure de feu. Une heure, c'est pas beaucoup. Ok, très bien. Voilà, très bien, on est reparti pendant 5 heures. On est reparti pendant 5 heures. Faire cuire. C'est très bien, 50 minutes. Il fait beau temps. Il fait beau temps. On va prendre ça. Fou, c'était vraiment... C'est la première fois que je vois ce, cet effet. Avec genre... aurore boréale tout autour de l'écran. Là, on dirait des plein de couleurs différentes. Ça, honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Alors, ce que je veux faire... C'est aller voir le cadavre. C'est aller voir le cadavre. Et elle est encore fatiguée, mais ça va. On a du bois. Là-bas aussi, je voudrais aller visiter un peu. On est léger. Ah, c'est un cerf. Ouais, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Il y a le Raichi, on en a plein aussi. Il faudra le faire. Ok, très bien. Je vais aller voir là-bas. Vite fait, on a la viande qui est en train de cuire. Vous avez vu que le temps passe vite en fait, parce qu'il faut qu'on... Ah, comment dire, il faut qu'on... Qu'on dorme en fait, parce qu'on n'est pas assez... On n'est pas assez résistant. Là, on a des caisses. Ça, ici c'est très bien. On pourrait casser les caisses. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. On va partir. Un truc qu'on pourrait faire, c'est ça. Voilà. Amélioration d'état. Ah, faut qu'on lise. C'est vrai que ça aussi c'est nouveau. Avant, il nous disait pas comme ça. Il n'y avait pas de... de choses qui apparaissaient à l'écran en plein milieu. On le voyait juste sur la barre de vie. Donc, du coup, c'est quoi que j'ai mis? Ah oui, c'est la première fois que je teste ça. C'est le nouveau. Le nouveau boost. Donc, apparemment, ça va faire en sorte que je sois moins fatigué, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais c'est bizarre, il y a un plus sur ma vie. Alors peut-être que ça va me soigner un peu plus. Je sais pas. Oups, on va passer par là. On va récupérer les petits bouts de bois. Très bien. I would eat anything right now. Oui, je sais que t'as fait. Alors, on a assez de viande pour durer un long moment quand même. Ah, très bien. Est-ce que la viande en est bientôt prête? Ah, très bien. Donc du coup, fais voir un peu. Amélioration d'état, bah, tu vois, ça s'améliore progressivement. Ah, c'est pour régénérer de la vie, en fait, je crois. Je dirais, non? Est-ce que ça bouge? Est-ce que vous voyez que ça bouge? Je sais pas.
J'arrive pas vraiment à voir les pixels bouger. Peut-être. On va dire peut-être. On va dire c'est possible que ça s'améliore. On va manger ça. Voilà, très bien. On a encore une heure de cuisson. Est-ce que on a viré tous ces trucs? Ouais, 0,9. 0,3. Alors la chose à faire, ça serait de prendre la fourrure, mais... Ah, on a le couteau maintenant. Parce que une fourrure de loup... Attendez, il fait pas trop froid. Ah ouais, non, c'est bien ça. Ça, oh, c'est vraiment cool. Ouh, ça va vraiment nous aider, ça. Ça va vraiment nous aider. Surtout pour notre problème de vie. 2-3 heures encore. Ok, ça marche. Ah ouais, non, ça c'est vraiment cool. Je pensais que c'était ça. Enfin, la description, ça avait l'air de dire que c'est ça qu'il faut garder. Ça avait l'air de dire de... Enfin, tisane revigorante. Moi, pour moi, c'était de l'endurance. Mais en fait, non, pas du tout. C'est la vie. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on a ça. Alors, il va falloir faire la hache. Hein. Il va falloir faire la hache à un moment ou à un autre, que je l'ai toujours pas faite. Je pense qu'on va dormir pour qu'elle se soit un peu moins fatiguée. On va dormir encore un coup. Expirer amélioration de l'état cool. On va dormir encore un coup, genre 2 heures. Can you eat trees? Et après on fera la hache parce que ça va nous prendre 4 heures pour la hache. On va voir un peu. 1h30 pour le bois. Là le feu il est à 3 heures. Et ça c'est bientôt prêt. 1h30. On peut faire de l'eau. On peut faire de l'eau. Est-ce que ça on peut le scier? 1h30 aussi, d'accord. Est-ce que les petites caisses, 45 minutes, 1 heure. Petite caisse, 1 heure, d'accord. Y a pas un truc à 20 minutes? Ah, attendez, ça. Ça nous fait passer le temps. Vous voyez, on essaye vraiment d'optimiser tout notre temps, quoi. On essaye vraiment d'optimiser notre temps au maximum. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Ok, très bien. Il va nous falloir notre remède aussi. Il va falloir qu'on en fasse. Très bien. Très bien. Faut qu'elle boive un peu. Pas trop non plus. J'avais dit que on allait faire de l'eau. Donc l'eau c'est 2 heures. Donc là on a 2 heures et là on a encore 3 heures de feu. Donc très bien. Donc on va casser ça. Ok, très bien. Ouh, c'est quoi ce brouillard? Super épais, super bizarre. Là, tu peux manger, c'est bien. Bouillie dans 25 minutes, on a encore 1h50. Ok, cool. Donc ça c'est combien par? C'est 30 minutes. Vous voyez, donc on a perdu 1h30 et on a gagné quoi? 6 morceaux de bois à 30 minutes. Donc ça vaut le coup. Donc ça vaut le coup. On a 4h40 maintenant. Très bien. On va faire ça. Je suis en train de me dire peut-être qu'il faudrait boire l'autre tisane. Pour que...
putain, on voit quasiment rien par contre, c'est une galère. L'autre tisane pour remettre de la vie. Il y a des planches qu'on peut casser. J'ai peur que les planches, on puisse plus monter, mais je suis pas sûr de comment ça fonctionne. J'ai envie de le faire. 45 000, une heure. Là, y a... Oh, on voit rien, c'est abusé quoi. Super épais. Super épais ce brouillard. Voilà, on a de l'eau. On a 2 litres. On va jeter 1 litre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on va en jeter 1. Pour le moment, là, si on la pose, ça nous fait du... C'est lourd. On a pris notre médicament. On a pris le médicament. Ça va, bon. Je vois rien, c'est top. Quatre heures. Combustible, on n'a rien sur nous, d'accord. Donc là, on n'a plus que le charbon maintenant. Donc, on fait ça. Voilà, 5 heures. Est-ce que elle va pouvoir tenir encore 45 minutes? Ok, 45 minutes. Ah oui, nous, il nous faut ça. 10 minutes. Et, il faut qu'on en fasse parce que sinon on va tomber à court. Et ça va être un problème par contre. Ça va être un problème. On va en faire cuire un. On en prépare, cuire, prépare, cuire, prépare. On va faire ça. On va prendre. Alors on va faire ça à chaque fois. On va la fatiguer au max. Et après on dormira encore un peu. On a encore 5 heures, ça va. Enfin, 4 heures, 4 heures. Ça se passe bien. Ça se passe bien. On a tout ce qu'il faut, là. C'est un peu limite avec notre état, en fait, de santé. C'est un peu ça, le problème. C'est que c'est très, très limite. Notre... Oh. Cuisine vétéran. Cool. Cuisine vétéran. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a eu, cuisine vétéran? Je me rappelle plus. Je vous avais dit hein, le coût de la cuisine, hein, on va cuisiner à mort ici. On peut forcer les conserves. Donc on n'a plus besoin de l'ouvre-boîte. Délai de cuisson moins 10%, les aliments cuits rapportent 15% de calories en plus. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, temps de cuisson. Voilà. Donc on va dormir au moins 3 petites heures, je dirais. Ah, vous avez vu, maintenant c'est 115 de calories. 3 petites heures. On va mettre un peu plus de charbon dedans. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. On va peut-être faire ça. Parce que j'ai pas trop envie d'utiliser le charbon. 22 minutes. Non, ça c'est le mauvais ça. À 50 minutes. Et on va taper un truc et on va faire. On va taper ouais, avec ça. Ok, là elle commence à fatiguer. Elle est dans le rouge. Après dans 3 minutes. Voilà. Je veux pas vraiment utiliser le charbon en fait. Le charbon c'est vraiment la chose que je veux plus utiliser. Je veux garder ça pour si jamais on doit y revenir un jour. En gros c'est ça. Parce qu'après le fer au bois c'est quasiment impossible. Enfin oui, je crois que c'est possible mais bon. C'est ça à prendre 3000 ans quoi. Il faut prendre des tonnes et des tonnes de bois. Voilà. Donc on a 5 heures.
On a 5 heures, ça marche. Est-ce que j'ai à manger sur moi? Il faudra prendre de l'eau, et parce que c'est vrai qu'on a utilisé pas mal d'eau. On va dormir, je dirais 4 heures. Oh, I could eat anything right now. Je dirais 4 heures, on va dormir. Pourquoi je mange des gros morceaux de viande? C'est parce que de toute façon, on va pas pouvoir la prendre, cette viande. S'il y en a trop. Il y en a vraiment trop, en fait. Donc, enfin, on pourrait... On va dormir 4 heures. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Dormir 4 heures. On va prendre la tisane. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui part. Ça va nous permettre de récupérer un peu plus de vie. Très bien. On a eu notre dose, je crois. Ok, c'est bon. On a eu notre dose? Oui, parce qu'on en a plus. Ouais. Donc maintenant, il faut dormir. Ouais, c'est bon. Allez, on dort. On a dit qu'on dormait 3 heures. C'est ça? On a dit qu'on dormait 3 heures et après on va récupérer plein de bois et on va crafter notre hachette. C'est parti. Ok, ouh, ça fait beaucoup de choses. Ok, donc on a 3 heures encore de feu. Ah oui, c'est un peu abstrait, le comment il compte le feu des fois, comment il compte le temps en fait. Un peu abstrait. Alors... Ah, on a qu'à mettre ça là aussi. 22 minutes. Donc... Oh, regardez-moi ça! Des accélérants, c'était dans la boîte, c'est énorme. Donc il y a bien des objets dans les boîtes en fait. C'est pas sûr parce que en survie il y a des objets dans les boîtes. Ça doit être nouveau ça. Ça doit être nouveau. On a dû perdre la viande. Ah quoi que non. Non même pas. Voilà, 5 heures. Très bien. On va encore prendre du bois. On va faire de l'eau. On va faire de l'eau. Là, je suis en train de récupérer du bois le plus possible. Et je crois qu'on arrivera vers la fin. On a qu'à faire ça. On arrivera vers la fin du bois. Après, il va falloir qu'on se balade. En fait. Putain, il y a un coffre derrière. Il va falloir qu'on se balade. Et qu'on trouve du bois à l'extérieur. Ça sera moins fun, par contre. Ça sera beaucoup moins fun à faire. Oh, starving. Ok, très bien. Il nous faut notre remède. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'eau. On va baisser l'eau. Enfin, baisser l'eau, on va poser l'eau, pardon. Voilà. On va faire ça. On a 4 heures. Ajouter du combustible. On a très bien 10 heures. Ah, arrête, Ellie, arrête de dire n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Tu peux pas boire ton urine. Ça marche pas comme ça. Il faut la désinfecter quand même. Il faut la... Je sais même pas si juste la faire bouillir ça marche. Honnêtement, je sais même pas si ça marche comme ça. Donc, arrête de dire n'importe quoi. 1h30, c'est un peu trop. On va ouvrir le coffre. J'ai même pas... J'ai vu le coffre, j'ai même pas tilté en fait. Ah merde, c'était 16, 17. Ok, 16.
16:45. Est-ce qu'on peut tout le temps tourner dans le même sens? Je me suis toujours demandé. 16:45. J'irais non. 16:45:56. Alors 16. Ça c'est plus 17. 45. Et 56, 57. Voilà. I think I can use this. Un jean neuf. Un gilet. Ouais. C'est pas top. C'est pas top top. Il est encore 8 heures. La fondre de la neige. Ok, très bien. Je vais voir un peu. Minutes pour du tissu. Ouais non, c'est nul. Pardon. Attends. Jean 9, voilà. I need to find a place to rest. Ah, très bien. Oh, attendez, j'ai... Ah oui, oui, gilet, oui. Non, gilet, on s'en fout. Ça, c'est des vêtements, on les laisse là. C'est pas grave, on a qu'à les mettre au-dessus. On n'a qu'à les mettre au-dessus. Voilà, très bien. On a l'eau qui bout. Qu'est-ce que je dois faire? Faut qu'elle se repose, qu'elle n'est pas encore en bon état pour crafter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... c'est quoi ça? Oh! Nobody needs this anymore. Cool, 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 cool. Il n'y a pas des hameçons. Du coup, on va se balader. Vite fait, mais vite fait. Hein. Voir si on peut pas récupérer du bois. Je dirais. Et après, on va se reposer. Encore une fois. On va encore dormir. Très bien, planche. 45 minutes. Ouais non, 45 minutes dans le froid comme ça, on peut pas. J'aurais dû prendre des appâts par contre. Et si jamais on a un loup. On avait du bois là-bas, dans les maisons. Qu'est-ce qu'on a? Ça non. S'il faisait... Ça m'a fait peur. S'il faisait pas froid, s'il faisait pas trop froid, on pourrait casser du bois à l'extérieur, mais vu qu'il fait extrêmement froid, on va même revenir là maintenant, parce que ça commence à faire froid. Okay, très bien. Aussi, le coup de faire les raichis, là, le thé, ça augmente notre... notre taux de cuisson là, notre niveau de cuisson, de cuisine pardon. Donc du coup c'est pas mal. Alors après, comme j'ai dit, c'est plus lourd. C'est plus lourd de les faire et de les transporter comme ça, genre en thé. Parce que bon, on a crafté apparemment la tasse et tout ça, hein, attention. Donc c'est plus lourd de faire ça. Mais bon, vu qu'on a un feu qui dure extrêmement longtemps, autant en profiter quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très grave. Après, de toute façon, on sera un peu plus léger. Quand on retournera à la maison, donc ça passera. Après, la question, c'est où on passe, où on va aller, où on va passer pour revenir à la maison. Je dirais que... Si on était dans des meilleures conditions, je pense qu'on irait là-bas. Et on continuerait. Oh, putain, il y a du brouillard, d'accord. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de loups. C'est ça le problème. Beaucoup, beaucoup de loups. Donc, ça, c'est un problème. Bouille dans 43 minutes. On va mettre tout le bois qu'on a trouvé déjà. Ah, très bien, 11 heures.
Bouille dans 40 minutes. Elle est un peu fatiguée. Je regarde si on n'a pas loupé les trucs. Peut-être voir là s'il n'y a pas du bois. Encore un peu de bois. Genre ça. Genre ça, ça serait bien de le récupérer. Mais il fait trop froid. Il fait trop froid là. Bon, on rentre. Parce que sinon elle va avoir froid. On n'a pas assez de vie pour ça. On n'a pas assez de vie pour s'amuser avec le... S'amuser avec le froid comme ça. Voilà, très bien. Faudrait qu'on dorme 5 heures, je dirais. Vous ne pouvez pas utiliser ce feu pour l'instant. Ah, parce qu'on est à 12 heures, c'est le maximum 12 heures. D'accord. Okay, okay. 12 heures, c'est le maximum pour un feu. Donc il nous faut la hache. Il faut qu'on fasse la hache. On a le livre de culture, on peut lire aussi, ça c'est bien. On peut aussi lire, mais on est tellement mauvais en... endurance, pardon, voilà, je cherchais le mot. En endurance, elle est tellement fatiguée que... on peut pas vraiment faire ça, quoi. Bon, on va voir qu'on mange. Par contre, on commence à être... être un peu bas en nourriture. Faudrait qu'il y ait un autre loup qui vienne. Voilà, très bien. Est-ce qu'on a pris notre dose aujourd'hui? Je dirais que non. Donc on va la prendre. Peut-être qu'on l'avait pris. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas fait attention. Est-ce qu'il y a un message qui m'a dit vous avez déjà pris votre dose ou pas? 6 sur 10. Je sais pas. Ok. Attendez. Le feu. 11h. Ok. On va dormir 4h. On va dormir 4h. Non, 5h. 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 Et après, on va pouvoir crafter notre hache. Voilà, voilà. Fait froid. Fait pas froid du tout. Fait pas froid du tout. Donc je dirais... Je dirais, on se balade. On se balade et on va prendre de la nourriture aussi. Pour récupérer du bois et tout ça. Ah, c'est peut-être un peu con d'avoir mis les Raichi. Parce que s'ils brûlent, c'est un peu de la perte. Et Raichi, c'est un peu important pour nous. Sinon notre... 6 sur 10. Hein. Est-ce que j'aurais pris une dose en trop sans faire exprès? Du coup on en a perdu. Ça m'embête. Ça. Je viens de passer une heure. Le Raichi. On a perdu le Raichi. J'ai été con de faire ça. J'ai été con de faire ça. Je pense.
C'était vraiment bête. C'était vraiment bête. Va falloir qu'on fasse la hache par contre. Parce que là on commence à prendre trop de temps et tout ça, et le feu, on commence à être assez limité pour maintenir le feu en fait. Donc j'aurais dû mettre de l'eau à la place, putain, j'ai été con. Pas grave. Pas grave. Non, attendez, on va se mettre là. Pot. Et viande. Voilà, très bien. Donc faut qu'on mange encore. Il faut qu'on boive. Donc là, on va faire 4 heures. 4 heures, on peut rien faire avec 4 heures. Parce qu'il n'y a rien qui dure 4 heures. Donc ça va être du temps perdu dans un sens. On peut pas cuire, on peut rien faire. Donc, 4 heures, c'est parti. I would eat anything right now. Très bien, achète improvisé. Très bien. Ah, là c'est lumineux. Ouais non, j'ai merdé. Ok, là on devrait être bon. Non. Faut bien attendre. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que je réfléchisse sur ce qui se passe, parce que là j'arrive pas à comprendre. Parce qu'en fait, ah, quoique non, c'est moi qui fais de la merde. Parce que il faut attendre 24 heures sûrement. Et le fait qu'on dorme à chaque fois, ça me déstabilise en fait. C'est pas genre à chaque fois un jour passe, c'est quelques heures seulement. Ah, oh, quel con. Non, c'est pour ça. C'est pour ça en fait. Là j'ai utilisé des trucs pour rien quoi. Ah, j'ai utilisé des doses pour rien. Non, c'est pas grave. Faudrait que le dire, en fait. Faudrait que ça nous l'indique. Genre la dernière fois qu'on a utilisé une dose, non? Après, je pense avoir vu les icônes un peu plus lumineux, en fait. Mais je suis pas sûr. Donc là, on a la hache. Et le couteau de fée, donc on est bon. On va devoir faire encore un peu plus de tête de flèche. Et on peut partir. J'avais vu un morceau de bois là. Oh putain, la fin, qu'est-ce qu'on... Ah, c'est bête. On a dû perdre 3 doses. Avec mes conneries. 3 doses. On n'est pas un bois à couper. Ouais, je suis sûr qu'on a perdu 3 doses. Moi. C'est vraiment con de ma part. Bon, est-ce qu'on peut revenir dans le passé, changer ce qu'on a fait? C'est pas disponible? Quoi? Ok, non. 1h30 pour casser une chaise. La chaise, tu la balances contre le mur, elle casse. Tu la balances contre le mur, elle se brise.
Je dirais qu'on devrait aller vers plutôt la forêt là-bas pour récupérer du bois. J'ai un peu peur quand c'est sombre comme ça, je vois pas vraiment à la vite en fait. Vous voyez là, la vitesse de vue, elle est bien amoindrie, enfin pour moi en tout cas. Donc du coup ça me stresse. On a 2 heures, on a encore du charbon, on pourrait utiliser le charbon. Là, il faut manger, c'est vrai. On va pouvoir rentrer, mais j'attends qu'on soit un peu plus en pleine forme et qu'on fasse un peu plus de pointe de flèche aussi. Ah, ça va le temps. J'attends que... Là c'est 1 heure pour une pointe. Enfin pour faire 2 pointes. Donc il nous faut quand même un peu plus de bois là. Parce qu'il ne reste plus que 2 heures de feu. Et le problème c'est que il fait tellement froid en ce moment. Si jamais on perd le feu... on va pas pouvoir dormir, je dirais. Donc faut faire gaffe. Vous voyez ce que je veux dire? Si on perd le feu, on perd tout, quoi. On perd la possibilité de camper, on perd la possibilité de crafter. Je peux entendre un bruit de ce côté-là. On perd la possibilité de survivre, quoi. Donc après, il faudrait rentrer à la maison. J'aime pas les monter comme ça. Ok, il n'y a personne. Ouais, je sais. Ah, c'est très très embêtant quand même d'être d'être à la limite de tout. À chaque fois, genre on dort 3 heures, on travaille 2 heures, on dort 3 heures, on travaille 2 heures, etc. etc. Faut faire attention à notre vie, faut faire attention à notre santé, faut faire attention à notre feu. Ça fatigue, hein. C'est très très prenant là. J'espère vraiment passer cette. Et après, il va falloir rentrer. Donc j'ai vraiment... Là on a fait le plus gros honnêtement, on a fait la hachette, on a fait le couteau. Ah donc honnêtement on peut partir, on peut complètement partir. On a quelques têtes de flèches, ça suffit. Mais voilà, il faut optimiser au maximum notre temps, il faut tout optimiser au maximum. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et faut pas s'en mêler les pinceaux. Il faut vraiment faire gaffe. J'espère que les doses vont compter, les doses qu'on a pris en plus. Enfin, ce serait bien, mais ça m'étonnerait. Je pense que c'est une dose par jour et je peux pas en les additionner, quoi. Dans 2 minutes, très bien. Quatre heures encore. J'ai combien d'eau sur moi? Alors, on va drop. 2 litres, on garde 2 litres sur nous. Donc il va falloir réfléchir. On a combien de flèches, pointes de flèches? Ah, on en a déjà 10? On a déjà 10.
D'accord. Alors attendez, faut que je réfléchisse ce qu'on va faire. On a déjà 10 de pointes de flèche, donc on peut partir. On va vers ça. La scie à métaux, on la prend avec nous ou pas ? Ça, on va le laisser là. On a les pots à prendre avec nous. Je dirais à la limite, on en fait encore une. Voilà, ça nous en fait 12. On en gardera. Ouais, ça fait 12. Comme ça, si jamais on perd des flèches, ben on aura des trucs en rabais. Donc là, le métal, on pourrait faire deux couteaux. La plupart du temps, moi, je dis toujours faire deux couteaux et deux hachettes. Ça, comme ça, vous avez le temps de voir venir. Mais bon. Mais bon, là, on est vraiment un peu... On est trop mal en point, en fait. Bon, on a du charbon. À la limite, j'ai envie de laisser le marteau ici, honnêtement. J'ai envie de laisser le marteau ici. Pour être honnête. La scie à métaux aussi. Et le faitout, non, le faitout, on va le prendre. Il nous reste 3 heures. Est-ce qu'on fait quoi? On dort pendant 3 heures, 3-4 heures et on part. Je suis en train de réfléchir là. Est-ce qu'on part ou on attend encore un peu? Ah oh, putain, maintenant il y a un mauvais temps. Parce que c'est pas sûr qu'on puisse vraiment partir s'il y a du mauvais temps en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dit qu'on puisse partir. Donc ça m'embête. Minutes. Et encore 3 heures. On va dormir 3 heures, je pense. On l'a mangé, le petit. Et après, on a ça aussi à... faire cuire. On a 3 heures. On va dormir 3 heures. Ouais, on va dormir 3 heures. On a très bien. C'est parti. On dort 3 heures, on voit un peu le temps. Si jamais le temps est pas bon, ben je sais pas. J'ai envie de les casser, ces planches. Vous imaginez si on peut plus monter? Ah non, on est fou. On testera quand on partira. Je suis sûr qu'on peut les casser sans problème. Mais bon. Alors, pardon. 4 heures de feu. Ok. C'est parti. On dort pendant 4 heures. Fou, eh ben, quelle aventure! Quelle aventure.